pour 319, contre 4. L'Assemblée nationale a tranché. Les dispositions adoptées sur la moralisation de la vie publique s'appliquent en Polynésie. Sauf que celui qui est à la tête de l'Assemblée reproche à l'État de ne pas avoir été consulté. Il a écrit à la ministre des Outre-mer et saisit l'Assemblée nationale et le Sénat. Sur le fond, je n'ai pas d'avis particulier, bien que je partage la nécessité d'être transparent à ce niveau-là. Mais j'ai quand même considéré qu'il était important de consulter l'Assemblée de la Polynésie française. Les élus polynésiens devront donc faire une croix sur leurs proches collaborateurs, qu'ils soient ministres, représentants ou maires. Plus de famille dans le travail. La Polynésie qui abrite en son sein l'élu le plus condamné de la 5e République, d'anciens vice-présidents qui ont embauché des proches. Même chose pour certains présidents de groupe à l'Assemblée, ou encore des élus qui ont choisi de recruter leur fille comme collaboratrice. J'ai un autre collaborateur qui n'est pas mon enfant. Donc pour des tâches bien spécifiques, j'avais besoin d'elle. Des médiateurs du crédit surveilleront aussi désormais les candidats et les partis politiques. Pour plus de transparence, les élus vont devoir s'adapter. Une autre politique est en marche. Je considère que dans des relations, apaisées, il est normal que le législateur métropolitain puisse également saisir le législateur polynésien dès lors où ces modifications impactent le fonctionnement des exécutifs au sein de la Polynésie française. Deux ex-députés avaient aussi recruté des proches, une habitude qui ne deviendra pas tradition.